Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale jambes avec élastique et barre sans avoir à les fixer sur quoi que ce soit. D'accord? Je ferai tout dehors sans avoir à les fixer. Ok? Donc pour cette séance, il vous faudra donc la barre et les élastiques. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ce genre d'accessoires, vous êtes allé voir dans la description sous la vidéo, je vous mets le lien de ce que j'utilise. Voilà. Donc là, ici, on va travailler donc les jambes. Je vais vous montrer plusieurs exercices. Vous allez voir cette séance, elle est assez rapide. Je vous retrouve tout de suite après. Je vous montre ça, je vous retrouve après. Alors, mon premier exercice, c'est le squat. Là, je vais vous montrer plusieurs possibilités de vous installer pour le squat. Le front squat, pour être exact, je mets la barre sur les clavicules, sur le devant des épaules. Ce qui est très important dans tous les mouvements que je vous montrais là pour le squat, c'est que les coudes soient toujours bien levés. D'accord? Si j'abaisse les coudes vers le sol, forcément la barre va descendre, mon dos va s'enrouler vers l'avant. D'accord? Donc le gros intérêt de cet exercice, le front squat, je sais que c'est souvent inconfortable au niveau des épaules et de la gorge, mais ça place le dos. C'est très facile à placer le dos. On est droit, on cible bien les quadriceps. Donc là, ce premier exercice, et je choisis de faire ce premier exercice sur 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Je vais vous montrer une variante du squat. Donc là, vous voyez, j'ai les pieds sur les élastiques, directement posés sur les élastiques. Je vous montre une autre possibilité. Plutôt la position bodybuilding, musculation traditionnelle. Moi, j'aime beaucoup moins, mais avec les élastiques, ça passe. Avec barre, avec halter, j'aime pas du tout ce mouvement-là, parce qu'on n'est pas stable du tout, mais c'est une possibilité. Quand on est un peu plus raide des poignets, voilà, on enroule la barre, voilà, on pose la barre sur les épaules et je l'enroule avec les mains par-dessus, mais toujours les coudes levés. Quand vous faites ce mouvement, vous devez pouvoir tendre les bras devant. D'accord? La barre est vraiment posée sur les épaules. Et une autre possibilité, si vous voulez avoir les jambes plus écartées, être libre dans vos mouvements, voilà, j'écarte les jambes et j'équilibre les résistances des élastiques de chaque côté. Donc là, vous voyez, j'ai trois élastiques, il y a deux élastiques d'un côté, un élastique de l'autre. Mais en termes de résistance, c'est les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes couleurs. On ne voit pas trop à la vidéo, ce n'est pas trop les mêmes couleurs. Donc j'ai la même résistance des deux côtés. Ça permet de faire un squat, les jambes bien ouvertes. Après, c'est une autre variante de mettre des squats avec des résistances différentes de chaque côté. Bon, ce serait une autre vidéo. Ça peut être intéressant aussi quand on veut travailler le gainage. Là, en l'occurrence, ici, je choisis 4 séries de 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos sur le squat avant d'attaquer sur l'exercice de l'effente. Donc, le deuxième exercice ici, l'effente. Le premier exercice était un mouvement de base, donc les squats qui m'a permis de bien pré-fatiguer les cuisses. J'aurais pu commencer par les fentes aussi, hein, le choix. Des fois, vous pouvez alterner, vous pouvez commencer par les fentes parce que c'est un exercice dur. Mentalement, c'est assez dur, ça permet de bien pré-fatiguer les cuisses avant d'attaquer les squats. Là, je l'ai mis en deuxième plan, mais les deux se font. Donc là, ici, les fentes, je me concentre bien sur ma jambe avant. Pareil, encore une fois, je contrôle, je vous dis encore une fois, mais je le dis souvent dans les vidéos, je contrôle la descente, je contrôle la vitesse d'exécution. Souvent, c'est une erreur qui est faite quand on débute, on veut aller trop vite. Donc voilà, la barre est posée sur les épaules, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Moi, j'ai choisi plutôt prise d'haltérophilie. Et je descends, je contrôle bien ma descente sur les fentes. Pareil pour la jambe droite, donc la même chose. Donc voilà, la barre est bien posée. La jambe droite sur les élastiques, je monte, je descends, je contrôle ma descente sur 30 secondes. Pareil, la même chose, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc l'avantage des fentes, hein, c'est surtout un travail en unilatéral. Il y a une jambe souvent qui est plus forte que l'autre. Donc commencez toujours par la jambe faible. Encore une fois, si les fentes c'est vraiment très dur pour vous, je vous conseille de le mettre en premier exercice. Commencez toujours par l'exercice le plus dur. Donc ça peut être très intéressant de commencer par les fentes et faire ensuite les squats. D'accord? Et ensuite, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à pré-fatiguer avec les squats classiques et enchaîner avec les fentes. Donc 30-30. Là, j'enchaîne sur 3 séries. Si vous le mettez en premier exercice, vous faites 4 séries. D'accord? Le deuxième exercice, 3 séries. Là, beaucoup plus ciblé. Là, c'est le hip thrust, un mouvement assez connu, très connu avec la barre, hein, pour cibler les fessiers et les ischio-jambiers. Là, on met vraiment l'accent sur les fessiers et ischio-jambiers. Donc, c'est du lever de bassin. Là, vous avez vu comment je prends l'élastique autour de la barre. Et genre, je tourne la barre, je fais tourner la barre pour avoir une bonne tension forte dès le début. Comme ça, dès que je monte, j'ai tout de suite une tension forte. Donc là, j'ai les pieds posés sur les élastiques. D'accord, il faut vraiment écraser les talons pour pas que l'élastique glisse et vienne claquer sur les fesses, parce que ça peut faire très mal. Donc là, je monte, je descends. Et là, sinon, on met les chevillères. Donc moi, c'est beaucoup plus rassurant. Je mets les chevillères, voilà, au pied. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne bougeront pas. Les élastiques sont bien fixés. Ils ne vont pas s'échapper des talons. J'enroule les élastiques autour de la barre. Pareil, voilà, la barre est mise sur le bassin élastique
partagé, divisé en deux en fait, puisque je passe l'élastique au milieu de la barre, ça met de la résistance beaucoup plus tôt. Voilà, je monte, je descends, donc grosse tension sur les ischio-jambiers et les fessiers. Donc là, le lever de bassin. Donc je tiens la barre dans la main, tout simplement pour pas que la barre s'échappe. Et là, ici, je fais en 30-20. Je fais 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Je diminue mon temps de repos pour vraiment me cramer les ischio-jambiers, les ischio-jambiers et fessiers. Là, sur 3 séries, vous pouvez faire 4 séries, hein, c'est de la finition. Si vous choisissez 4 séries sur le lever de bassin, sur cet exercice-là, il faut faire exactement 4 séries aussi. Il faut que ce soit équilibré. Parce que là, tout à l'heure, on était sur le lever de bassin, les ischio-jambiers fessiers. Là, on est vraiment ciblé sur les quadriceps. Il y a une action sur le gainage, un petit peu sur les épaules pour la posture, mais surtout cibler les quadriceps. Donc, il faut vraiment que ce soit équilibré, le devant et le derrière. Si vous faites 3 séries pour le lever de bassin, vous faites 3 séries de quadriceps. D'accord ? Sauf si vous percevez un déséquilibre musculaire. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Si vous avez un déséquilibre musculaire qui est flagrant chez vous, vous faites une série de plus sur un des domaines. Donc là, vous voyez, je passe l'élastique derrière les genoux. Donc des fois, si ça tire les poils, vous mettez en pantalon, vous mettez une serviette. Ce n'est pas forcément agréable. La position de mettre les élastiques, voilà, il faut bien ajuster. Je mets les mains sur les élastiques, je m'appuie dessus et là, je lève les fesses vers le ciel. Et vous voyez, quand je redescends les genoux, je ne pose pas les genoux sur le tapis, je ne pose pas les genoux au sol. Je maintiens une tension constante. Donc voilà, vous avez vu, j'ai pris 4 exercices. Les deux premiers exercices, comme je disais dans la vidéo, vous pouvez changer l'ordre d'exercice. J'ai commencé par le squat, puis les fentes. J'ai privilégié ici le squat, travailler en force sur le squat, mais il peut m'arriver de travailler en fente en premier. D'accord ? Les fentes, ça va être plus facile de mettre dur, de la grosse intensité, parce qu'on est sur une jambe. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus physique que sur les deux jambes. Sur les deux jambes, en squat, voilà, on va se concentrer en force, on est bien installé, bien stabilisé, mais après, on va être fatigué pour les fentes. Les deux se font, d'accord? Le premier exercice, c'est l'exercice où je veux mettre le plus d'impact. Donc, premier exercice, je choisis le squat, je me concentre bien sur le mouvement, surtout sur la descente. Contrôlez votre descente, c'est important. Aller trop vite, c'est dommage, on gâche tout. Ça, en plus, ça va mieux recruter le nombre de fibres musculaires, vous allez mieux vous connecter et vous allez mieux vous fatiguer musculairement, ce qui est un peu ce qui est l'objectif quand même. Donc, on contrôle bien la descente, on met une bonne intensité dans les élastiques. Je contrôle la descente, je monte. Il faut vraiment que ça me crame les cuisses. Quand j'arrive sur les fentes, forcément, je vais mettre un peu moins lourd parce que je suis déjà pré-fatigué. D'accord ? Jambe droite, jambe gauche, on commence toujours par sa jambe faible. Mais une semaine sur deux, vous pouvez inverser et commencer par les fentes sur 4 séries. D'accord ? Les fentes, moi j'aime beaucoup les fentes parce que c'est un travail unilatéral. Je sais que mentalement c'est très dur parce que quand on fait une jambe, on se dit il y a l'autre jambe à faire, c'est très dur. Mais c'est un travail unilatéral, ça permet de vraiment équilibrer et voir l'écart de force qu'on a entre la jambe droite et la jambe gauche, l'écart d'équilibre qu'on a entre la jambe droite et la jambe gauche. Ça permet de mettre une bonne résistance, mais beaucoup moins, donc moins d'impact sur la colonne aussi, pour bien se fatiguer les cuisses. Donc c'est intéressant aussi de commencer par les fentes. Vous choisissez squat ou fente en premier, c'est bien alterné. Donc les deux premiers exercices de base, c'est ça. Squat, par exemple là ici, c'est squat, 4 séries, 30-30. Ensuite, je me prends les fentes. Donc quand je passe d'un exercice 1 à l'exercice 2, je ne prends pas beaucoup de pause. 2 minutes à peu près de pause, maxi. D'accord ? Il faut que les cuisses soient fatiguées, comme je vous disais tout à l'heure. Les fentes. 3 séries là, parce qu'en deuxième exercice, 3 séries de fentes. Et ensuite, je vais chercher à cibler. Je cherche à cibler la chaîne postérieure et la chaîne antérieure, les quadriceps. D'accord ? Donc, je choisis 3 ou 4 séries parce que c'est de la finition pour les ischios en hip thrust, ischio et fessiers et lombaires. Hein, il y a 3 parties qui travaillent, ischio jambier, fessiers, lombaires qui vont travailler. Et les quadriceps ici avec les montées de genoux. Donc vraiment les talons, les genoux qui vont frôler le sol. Donc il y a un travail très important sur le gainage. Les épaules bien au-dessus des mains. Et je monte, je vais chercher à lever les fesses vers le ciel, tendre les jambes pour bien travailler les quadriceps. D'accord ? Faites le même nombre de séries entre le hip thrust et ce mouvement pour travailler les quadriceps. Si vous avez un déséquilibre musculaire, ce qui arrive souvent, hein, c'est souvent dans beaucoup de personnes, il peut être intéressant de faire par exemple 4 séries en hip thrust et que 3 séries pour les quadriceps, pour équilibrer au niveau des genoux. Par exemple, si vous avez un déséquilibre musculaire entre devant et derrière, si vous connaissez. Sinon, faites le même nombre de séries. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir un peu plus de choses, un peu plus d'exercices avec élastique et avoir plus de connaissances pour améliorer vos qualités physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique. Donc dans ce PDF-là, il n'y a pas la barre, mais vous pouvez incorporer la barre facilement dans l'exercice. Et ainsi qu'une série de 4 vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit perte de poids, prise de muscle athlétique, préparation physique générale, tout ça est totalement offert. D'accord ? Vous avez juste à cliquer ici. Vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !